Skull and Bones open bêta. Non. Alors ils disent que c'est une bêta, mais c'est le jeu final parce que ouais. La sauvegarde sera transférable sur ta partie dans une semaine. Donc voilà, c'est le jeu final. Arrêtez de nous mytho. Nous suivons toutes et tous les mêmes règles. En tant que membre de la commune de jeux, je joue gentiment. Derrière chaque avatar se trouve une personne réelle. Je reste calme et je communique avec respect dans la victoire comme dans la défaite. Non, non. S'il m'a niqué, je lui insulte sa maman. Avec fair play. Seules mes capacités me permettront de m'améliorer. Je joue avec fair play et je ne triche pas. Ouais, on joue un pirate. Si j'ai envie de tricher, je triche. Ils sont cons, eux. On joue RP ici. Et en toute sécurité. La création d'un écosystème sûr et là. Vas-y, c'est bon, tu m'as saoulé, je suis d'accord, lancé. Enfin, je suis pas d'accord, mais je suis obligé d'être d'accord. Voilà. Bienvenue pirate, ok, jouez. L'aube du capitalisme. Des sociétés aussi puissantes que des royaumes règnent sur les mers et les routes marchandes les plus rentables du monde. D'une main de fer, elle forge une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venue de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent. Océan Indien. XVIIe siècle. Pourquoi il y a un chiffre en bas à gauche là? Maudit brouillard! On a perdu l'Exeter! Le capitaine Rassler va nous faire pendre! Nous devions l'escorter! Tiens! On s'est battu ici! Les Britanniques sont passés par ici! J'espère que ce n'est pas ce qu'il reste de la cargaison de l'Exeter! Capitaine! Évitez les papes devant! Ah ouais! Ça commence comme ça déjà. C'est bien calme, dis donc. Regardez, un navire britannique endommagé. Ce devrait être une proie facile. Il y a toujours de la place en cale pour des richesses. Ce navire est vulnérable à une portée. Feu! Attends, feu! Voilà. Et voilà, fin de l'intro. Carguez les huniers, les cacatois! Notre chance tourne! On peut encore ramener l'Exeter à Saint-Anne! Ah, par là-bas. Il y a des navires. C'est la flotte britannique! Allez, tout le monde au poste de combat! C'est pas si poisson! Ah, emparons-nous de la... Feu! Feu! Putain, merde! Merde! Shit! Putain, je vise comme une bite! Boum! Boum! Voilà le vaisseau amiral! Putain! Oh putain, y'a le chef! Ah, il a pris une balle perdue. Il est sacrément con, dis donc. Le mec, il lui donne son cul, là. Wouhou. Ah non, non, c'est une boutique. Il a foncé dans un tif. Oh, vous voulez quoi là? Oh,
là 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 là, on fait la course ou quoi les gars là? Je sais pas, ils veulent quoi là? Il doit taper qui là? Il doit taper le chef, il s'en bat les couilles de moi là. Il m'a abandonné. Oh! Il n'y a pas de barre de vie. Ah si, c'est bon! On est dans la merde! Ah ouais, c'est le même mais en x10. Toi, il y a des tirs de mortier, c'est quoi ce délire? Oh, on est mort? C'est ça l'intro, c'est on est mort. Et là, normalement, c'est l'éditeur de personnages. Et ben, hein, je vais essayer de me refaire. Enfin, si on peut custom le reste. Ok, type de corps. C'est pas comme si on voyait le corps, là. Hein. Moi, j'ai le visage un peu rond, mais là, il est un peu trop rond, quand même, non? Pas un peu trop rond? Vas-y, on va tester avec la barbe. Surtout pilosité, voilà. Cheveux. Couleur de la barbe aussi, pardon. Ouais, non, vas-y, hein. Si tu veux, hein. Ok. Putain, on dirait un mec dans Koh-Lanta là. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a deux ou trois saisons là. Il avait les cheveux super lisses comme ça, il ressemblait de ouf. Des petits tatouages. Ah, pourquoi pas, vas-y. Ah, des petites marques. Ouais, ça peut être sympa. Le balafré. On va m'appeler le balafré. Vas-y. On reste sur ça. Le balafré. J'ai pas mieux, hein, la custom. De toute façon, hey, on le verra jamais, le type. Allez. Hop. Prêt à régner sur les mers, ouais, c'est ça avec ma tête de bite. Là, un rescapé. Un balafré. Vite, la flotte anglaise est peut-être encore près d'ici. Prenez ma main, vous ne mourrez pas. Je crois que j'ai les cheveux attachés en fait, c'est pas du tout cheveux courts. Le destin que j'ai mis. Vous a joué un tour. La chance de Freeman doit être de votre côté. La chance? Où diable les Anglais et le brouillard? C'est la faute du capitaine Rassler, qui nous a menés sur ces hauts fonds. Nous avons survécu au combat et maintenant vous venez renforcer le boutre. On dirait que notre sort s'améliore. Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu la même lueur chez d'autres. Je suis sûr que vous allez nous conduire à Sainte-Anne. Pour rejoindre le paradis des pirates, il faut en connaître le chemin. Voilà. Un journal de bord récupéré dans l'épave. Plus que par l'encre et le parchemin, notre sort se révèle par couches, souvent bien visibles. J'ai un bruit là sur la droite. Rendez-vous utile. Un bruit dans l'eau, je sais pas ce qui se passe. Les Anglais ne reviennent. Je vais m'occuper des voiles. Le vent sourit aux intrépides. Saisissons notre chance. Quelqu'un doit connaître le chemin de Sainte-Anne parmi les rescapés éparpillés. Que la chance de Freeman nous guide. Qu'est-ce qui se passait à droite là? J'ai juré, j'entendais comme un combat. Ah là. Ça, c'est les poissons qui font ce bruit là. Eh ben. Allez. Comment on avance? Ah d'accord, ouais, c'est bon.
Et ça, c'est des autres joueurs, ça? Non. Allez, encore plus vite. Donnons de la toile. Oh, au secours. Ouais. On peut se rejoindre là. Oui. Ah bon? Par contre, il y a une mauvaise nouvelle. C'est quoi? Ça se joue à 3. Terre, roi devant. Ah bon? Le destin nous lance un fila. Ah, je croyais que ça se joue à 4, moi. Quitter cet endroit. Tu passes un choix. Ah ouais, ça va être compliqué ça. Bon déjà j'arrive sur l'île, attends. J'appuie sur B. Dinguerie ça, j'appuie sur B frère. Et il y a un autre souci. C'est quoi? On peut s'inviter que par monde. Que par monde? Et on n'est pas dans le même serveur. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? T'es sûr déjà on peut s'inviter maintenant là? Je sais pas, il y a marqué ceci là quand j'essaie à t'inviter. Il y a marqué ce joueur ne fait pas partie de votre monde. Ah ouais? Oh, c'est qui ce bouffon là? Le truc Altaïr là. Bonjour monsieur. J'avais dit au capitaine Rassler que le navire était plein comme une truie engrossée. On a peut-être perdu les Anglais dans le brouillard, mais aussi la course contre ces foutus éléments. Regardez! Les entrailles de l'Exeter sont répandues sur ces hauts fonds. Et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher. Et où étiez-vous, capitaine? Pendant que des frégates anglaises poursuivaient l'Exeter. Sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde radical que vous êtes. Ah ouais, t'es mal, les choix de dialogue. Et à quoi a servi votre hardiesse? À part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds. Vous voulez rejoindre Sainte-Anne? Naturellement. Tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul. Mais si nous retournons voir le Kingpin les mains vides, il nous enlèvera nos titres. Et peut-être nos têtes par la même occasion. Récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ces eaux infestées de requins. Ensuite seulement, je vous dirai comment aller au paradis des pirates. Contrat disponible, une affaire de pirates. Récupérer la contrebande du Kingpin afin de l'échanger contre des informations sur l'emplacement de Sainte-Anne. Accepté. Bien, et ne traînez pas. Eh ben, récupérer la contrebande de Skurlock dans l'eau. Pour l'officier pirate en chef. Bon alors attends, comment on s'invite? Je fais start. Déjà dans start y'a rien, je fais select. Alors règle du coop. Ah bah d'accord, elles se sont effacées en 2-2. Bref, récupérer la contrebande, c'est par là messieurs. Prendre la mer. Ta-ta-tam. Et donc là on est les trois sur le bateau ou... Ah non, on en a chacun. Ah ouais, ok. L'officier okay. Serait incapable de guider un poisson dans la mer. Et du coup, on va où? Acquérir arme à feu? Il nous faut la cargaison de Skurlock. Faut-il se battre? Donner arme à feu? Bah, c'est bon. Ah, c'est déjà fini. Ah! Oh! Il y a un requin? Jure? Ah ouais? Oh, adieu. Je le casse. Mais tuez-le! Bah, comment? Mais vous avez des harpons! Ah ouais? Bah, démerdez-vous, hein. Non, je vais le tuer, moi. Ouais, ils ont mis des bruits. On en a eu une, quoi. Wesh, c'est quoi ça? Une tempête de sable. Ouais, on aurait dit musique de Spider-Man. Ouais, merci Jack Sparrow pour le 17ème mois d'abonnement. Débarquer. Non, pas maintenant. Approcher, débarquer. Voilà. Bonjour messieurs. La piraterie est plus amusante avec des amis. Ben merci, on est déjà ensemble. Voilà, c'est ça l'explo hein, sur les îles. C'est une toute petite portion. Tu parles au PNJ et tu reprends la mer. Ah, c'est vraiment claqué. Ouais. Vous voulez connaître le chemin de Sainte-Anne?
la cargaison de Scurlock d'abord. Ah, tiens, prends ça. Tiens. Voilà. Merci pour les marchandises. Et merci Scurlock m'épargnera peut-être. Le 58e mois d'abonnement. Est-ce que ton perso il te ressemble quand vraiment? Quand je lui aurais parlé du capitaine, ouais, pas du tout. N'a pas protégé sa carte. Un peu quand même. C'est écrit qu'on doit parler au mec. Trouvez-vous même le chemin. T'as, c'est les mêmes animations que dans Assassin's Creed Odyssey. Ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses. C'est le même moteur. Ah, c'est le même moteur, voilà. C'est les mêmes plans caméra et les mêmes réactions des personnages, là. Comme ça. Maintenant du vent, Radkal. C'est genre pas du tout naturel. Quand il croise les bras, quand il fait ça... C'est pareil. Par là, l'officier pirate en chef. Il y a les cuisines là. Et où l'officier pirate en chef? Non, ah bah non, c'est déjà fait. L'affaire du pirate, contrat terminé. Cherchez les coordonnées de Sainte-Anne dans l'épave. Retournez à votre boutre. Aspel une boutre. Embarqué, voilà. Je suis dans ma boutre. Trouver comment entrer. Dans l'épave, oui, bah avec un pied de biche. Si cette vermine dit que Rassler a peut-être la carte menant à Sainte-Anne, il faut fouiller son épave. Est-ce que j'ai un pied de biche? Il y a les champs. Le magasin. L'horizon de Sainte-Anne recèle peut-être l'aube en laquelle je puisse me jouer. Espérons que les pirates ne vous regardent pas dans le dos avant. Le mec est à l'intérieur ou quoi? Ça tire de l'intérieur. Là, ça va me dire pied de biche. Ouvrir de force. Ah bah non, c'est bon, je l'ai eu. Lors de la récupération d'épave, avancer d'un cran en visant un segment coloré. Et appuyer sur RT. J'ai rien compris. Ah si, d'accord, ok. Waouh, c'est la tristesse. Ah! Une phase à pied, let's go! Tiens, c'est quoi ça? Lire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Y'a même pas de. Y'a même pas d'histoire dans le jeu. Canon abandonné! Et y'a des écrans noirs toutes les deux secondes, c'est relou. Ah, mais tu vises! C'est bon, moi je peux! Ah ouais, d'accord, c'est bon! Ok. Bien vu. Google? Merde, je l'ai raté. Oh, la douce. Snow a quitté le groupe, allez vas-y Nick. Mais non frérot, je suis dans le menu. Enfin je suis dans... Je suis dans le chargement. À quoi? Mais un écran de chargement. Ah oui, t'as quitté je le groupe. J'arrive pas à viser, oh la double. Bah, wesh. Il est dur, lui. Attends. Je l'ai, attends, regarde. C'est moi. Tu l'as pas? C'est bon? Non, même non. Pas. Vas-y, à toi. Oh le bâtard. Bien joué, vas-y, il faut tous les faire, vas-y, go. Vas-y. Go. Bah, je l'ai pas eu. Mais non mais. Oh. Ouais. Je l'ai eu. Bah, je l'ai eu. Vas-y. Ouais. Ouais mon gars. Non il a réapparu. Je peux pas te rejoindre. Voilà. En ligne hein. Il est cassé ton jeu de merde. Et toi déjà d'où tu t'es barré frère là? Mais frérot j'étais dans l'écran de chargement quand ça m'a mis le canon frérot, ça m'a fait bugger, c'est ma force. Ah bah ouais. Ah c'est qui veut pas que tu tiens. Oh attends y'a un mec qui est mort. Hein? T'es où? Je suis pas en ligne. Par contre, le déplacement de perso il est bizarre, non? Un peu lourd. Attends, j'ai ta confidentialité. Ah bon? Et je viens rejoindre. Moi. Je vais rejoindre. Mais amis uniquement comme ça. Mais il y avait même pas écrit ça. Si amis uniquement, il y a marqué. Ah bon? Bah on est amis. Oui, ouais, mais là t'es un sur invitation uniquement. Ah! Longue vue! Où ça il a vu ça là? Ah ouais, en bas là. Ah ouais, y'a un mec qui est. Ami uniquement, voilà, c'est bon. Wesh! Ah là, c'est bon! Voilà. Ah là, c'est bon! On dirait un mec de temps en temps ton perso, frère. Oh, ça m'a. J'ai fait votre truc là, ça m'a tête, je sais. Et c'est ma faute. Quitter les atolls. Putain, et le déplacement, il a raison, ouais. Il est super lourd le personnage. Ouais, un gros port. Bah, même moi, alors que je suis tout mince.
Ça se voit que le jeu il a pas été pensé pour être joué à pied quoi. De frima, oh. C'est dommage. Vous avez trouvé le chemin de Sainte-Anne et une lettre. Ah c'est pas Black Flag, tu peux monter sur le bateau et tout. Faudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison. Tu peux escalader. Le Scarlock pourrait avoir 3 balles de pistolet destinées à nos têtes. Ou juste la vôtre, l'ami. Que serait la vie de pirate sans péril et malice, hein? La cargaison de l'Exeter perdue, Scarlock aura besoin de quelqu'un. Vous avez modifié des escaliers, c'est ça? Procurer ouais. De nouvelles marchandises à son empire. Jusqu'ici, vous nous avez porté chance. Je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau la nuit. Rassler est mort, et avec lui, tous les devoirs et obligations antérieures. Vous êtes libre de tracer votre destin, capitaine. Capitaine, vraiment? Tant que vous ne nous envoyez pas sur de maudits rochers. Ah là là. On quitte enfin ces le chemin vers Sainte-Anne est indiqué sur notre boussole. Let's go! Quelque chose me dit que c'est charguez les huliers! Je vais peut-être rester encore quelques temps. Imaginez. Oh les écrans, c'est Starfield tout machin. De ouf. Après ça dure moins longtemps quand même. Écraser nos ennemis. Triompher de toutes les menaces. Défier les dieux. Mais en vrai même graphiquement l'eau elle est claquée Cap hein. Sur Sainte-Anne, Captain. Genre si aussi mille fois mieux. C'est cartoon. En fait, c'est en gros ouais. De gros, il y a une histoire et tout. Ou en gros de gros, ou en vrai ouais, de vrai. En gros de gros. En gros de gros, ouais, l'histoire, j'avoue que là pour le moment, je vois pas trop. C'est, ah bah tiens, là. On s'est fait niquer par des Anglais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis on veut se venger. Et encore. Enfin, on veut récupérer la cargaison. Ubisoft présente un jeu en développement depuis plus de 10 ans. Qui pue la merde. Qui vient de planter. Ah oui. Ah non! Ah, t'as vu? Ah non, d'accord, ça a planté ou ça. Ah ouais! Si. Voilà! Si ça a planté, ça pue la merde! Hein. Allez, hein! Ça invite à aller sur Eldiver, hein! Je vous réinvite, messieurs! Et même l'intro, elle est ratée, ouais! Impossible de rejoindre la session, wesh! Code dodo FF0B2 machin! Pourquoi? Attends, vas-y, au pire, j'y vais solo! On va voir, peut-être vous hein, le problème. En quoi c'est nous le problème? C'est le jeu, toi-même tu sais. Ah non, des fois. Tu peux pas parler l'intro ensemble. Mais si, sinon vous n'aurez pas pu. Ah bah non, ça bug encore. Wesh, bah mais attends, c'est moi, c'est quoi le délire là? Mais ils veulent qu'on aille sur Eldiver hein. C'est quoi le code dodo là? Attends, dodo. FF. Ah bah tiens, c'est le premier résultat sur Google. Skull and Bones, Reddit. Voilà. Alors, le mec, il dit, j'ai le code... Dodo, ouais. Ah, juste après la cutscene start. Pas de dodo, ce soir. Any ID, turn off the crossplay. Ah. 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 Alors ah. Attends, apparemment, turn off the crossplay. Vas-y, on va voir. Paramètres. Ah, ça marche. Ah. Ouais. Bon, bah, on n'aura pas la cinématique Skull and Bones. Ubisoft présente Skull and Bones. On arrive... à Sainte-Anne, je crois. On ressemble pas. Arrête. Si, la vitre ressemble. Mais t'es malade. Mais la impossible de se connecter. C'est là que moi, c'est que j'ai cette contrôle. Odeur de sel, bah ouais. D'épices et de péché, Capitaine. C'est merde. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ses joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet endroit peut y répondre. J'avoue, c'est la nuit, mais c'est la même nuit que Mirage. C'est la nuit, mais il fait jour. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate. Mon personnage est même ultra éclairé tellement il fait nuit là. Waouh! Et ne me regardez pas comme ça. En plus, il parle même pas! Ah ouais, non mais c'est chaud, c'est un mongol. Mais c'est grave les Ubisoft, hein. Ah là j'avoue, là on dirait on est en 2015 quoi. Mais même en 2015 ils savaient mieux faire des jeux. J'avoue, même en 2015. Bah en 2015 c'était Unity, Syndicate. Mais quand on chie des Splinter Cell, Syndicate. Même Syndicate il est plus beau. Ne faites pas attention aux poissons de fond. Pas le best non plus, mais un bon. Nous n'obéissons qu'au vent du destin. Je suis un pirate. Ah, en fait... tête de con! Ils sont vraiment méchants avec moi.
Regardez-moi ce gros porc là, avec sa coupe de merde. Petite bite. Ouh, sale blanc. Gros porc. Gros plein de soupe. Vous êtes méchant avec moi. Je vais au bar. Je vais à la taverne me saouler la gueule. Ah, une lettre de Poudlard. Alors. C'est de toute façon, on va avoir Legacy là. Ah. Ah, faut chanter les sons. Voilà. C'est bon, on a fait l'intro. Donc voilà. Là, si je réactive le crossplay, tu peux venir du coup. Bah, paramètres, crossplay, oui, appliqué. Vous allez revenir au menu principal et quitter le groupe, allez niquer. C'est pas grave. Et revoir le dodo. Chérie, pas de dodo. Oh là 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 là, c'est chaud. Non, allez, ils sont cons, hein. Ils auraient jamais dû sortir cette bêta, ils auraient fait des ventes. Parce que les gens, ils auraient dit waouh, il a l'air d'art le jeu, je l'achète. Mais là, avec la bêta, on voit tout. Non, on l'achète pas là. Mais t'as des gens, ils vont quand même se dire qu'ils vont l'acheter. C'est-à-dire, t'as des gens, ils vont acheter ça au lieu d'acheter Banisher. Y'a des trous de balles qui vont l'acheter. Alors, Snow, je peux pas t'ajouter. T'as des paramètres de crossplay différents. Roulement de tambour. Et putain, toujours plus long, hein. On est avec des SSD, frérot. Le jeu. Ah ouais. Dodo. On peut pas jouer avec ce gorille. On peut pas jouer de la soirée. Ah, putain, les enculés. Let's go. Dodo. C'est quoi ce jeu de merde? Dodo. Allez, bah écoute, on le réactivera plus tard. Allez. Mais alors là, en plus, ils te mettent des belles images. Avec un gars qui est sur un buffle et tout, mais qui frérot, va un petit village africain et tout. Bah ouais. Et frérot, tu pourras pas y être, tu pourras pas jouer. Va être au village africain voilà. Là. Livrer la lettre et informer John Scurlock du John destin Scurlock. De l'Exeter. Bah, tiens, boîte aux lettres, c'est quoi ça, boîte aux lettres? Récupération du courrier. Un fils de la liberté. Ouh. Ouais. Non, vraiment, les gars, achetez ce qu'on est. Pas ce qu'on est. Banisher à la place, c'est 10 000 fois mieux. Ah, de ouf, les gens, achetez Banisher. Moi, j'ai vu des petites images là. J'ai vu des petites images là et. J'ai vu des petites images là, c'est Dieu bénisse. Ce quai commence à être envahi. T'aurais pu jouer, connard. Bah, ta. Cette année. Cette pauvre loque a survécu au naufrage. C'est ce qu'on dirait, oui. Un rescapé. Entre crevettes. Et le jeu est moche en plus, c'est une dinguerie hein. Là dernièrement on a fait The Last of Us, jamais devant moi. God of War, même Lies of P, Alan Wake, le Suicide Squad il est grave beau avec des belles animations faciales. Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison. Mais ton recrachet. Regarde les cheveux frère, ils sont fixes. Ils sont collés ces cheveux. J'avais besoin de ces marchandises. Ah ouais, il a du gel Vivel Dop fixation béton. Tu vois, ah ouais, ce la port pub, du commerce avec qui il est Xbox Series et PS5. C'est riche qu'il pisse de l'or. Oui, mais bon. Et tout ce que je reçois, c'est une lettre. Il y a des jeux sur Xbox 360, ils sont plus beaux. Ouais, largement. Ce crétin me traite comme le dernier des valets. Je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple. J'ai d'acteur. Il me faut d'autres capitaines. Les textures de la bandoulière, de son manteau, c'est dégueulasse. Même Black Flag, il était mieux fait. C'est une dinguerie. Mais là, je force même pas, c'est vraiment moche. T'as mis quoi, toi? La première ou la deuxième réponse? Moi, j'ai mis je peux voler. En vrai, je m'en bats les couilles. Je peux voler pour vous trouver, je peux me débrouiller. Ouais, il va dire que t'es un vrai pirate. Ouais, je vais voler, c'est bon. Ah, tu as un esprit de pirate. Bah ouais, c'est ce que l'Enbone, c'est pas le game. Il va te falloir apprendre à évaluer les prises. Non, pour voir si ça change quelque chose, je crois. Bah essaye le deuxième. Ouais, j'ai fait ça. Et du coup il a dit quoi? Crevette. Je vais faire de marchandage, ça risque de fonctionner. C'est tout juste siffle. Ah ouais en fait. T'as de l'ambition. Mais t'es loin d'être prêt. je vais réinstaller à la nuit hein. Et avoir un vrai navire. Parce qu'il m'a insulté tu vois en disant ouais t'es pas un vrai pirate. Gagne le respect bah même pas. Le reste suivra. Il a dit c'est bien. L'infamie permet d'estimer votre grade. Je pourrais faire de toi fermez vos gueules, non? Bah non. Bah si, il y a une cinématique. Même si je m'en bats les couilles, un minimum. Retard, quoi.
paria. On voit rien. Mec, ils sont au bistrot, frère. Dibustier, bicogné, brigand. Bébé. Comment ça se fait que t'as fait une cinématique, toi, tu l'as passé? Hein? La famille permet de cinématique. Non, je l'ai fini. Juste lancé plus tôt que vous. Hein. L'onglet infamie. Là, t'as tous okay. Les grades. Très bien, très bien. Cargaison, et ça, connaissance. Codex, genre, il y a un codex. Ah ouais, oh. T'as des mecs qui spawnent devant moi. Et... Oh. Chérie, pas de dodo. Ah, c'est juste un hub. Chantier naval. Ah, ainsi c'est vous qui venez de l'épave de l'Exeter. Scurlock voit peut-être quelque chose en vous. Mais moi, je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel. Dites-moi, que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil? J'ai l'intention de régner sur les mers un jour. J'ai bien l'intention de prouver ma valeur. Allez, je vais régner sur les mers. Qu'est-ce qui pourrait pousser des marins à rejoindre un capitaine de baquets percés? Mais si vous prouvez votre valeur, même les vagues vous respecteront. Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos, d'une bourse pleine de pièces, et que Scurlock vous prenne dans ses bras. Ha! Satan aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis. Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan Indien, comme la Margarita de Scurlock. Ouais, ouais, ouais. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer, Capitaine. Alors, fabriquer des outils de capitaine afin de rassembler des matières premières pour votre premier navire. Le pirate dirige son navire, certes, mais son comportement par contre dépend de qui l'a fabriqué. Ouais, pourquoi? Allez voir mon ami Zen, le charpentier, voilà, diff, et il vous aidera à fabriquer tout, ouais. Les outils permettant de récolter des matériaux de construction. Ah, c'est de un peu plus fin. Ouais. On fera accepter, merci Kirito pour le 48e mois d'abonnement. Merci. Revenez me voir. Et c'est sub au moment où la quête s'est confirmée. Bon timing. Menuisier. Fabriquer une scie. Ou jambo. Et après j'ai pas. Ou jambo. Jusqu'à présent, vous avez tenu grâce à la chance. Pioche. Mais pour vous tailler une réputation ici, il va falloir vous salir les mains. Telle est la vie chez les pirates. Je n'ai pas peur de faire couler le sang. Je veux devenir un pirate célèbre. Pas vous en voulez? Cela me plaît, mais faites bien attention et veillez à verser un autre sang que le vôtre. Oui, faites bien attention. Nous pouvons nous entraider, vous et moi. Eh oui. Apportez-moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge. Sont gentils ces pirates, Ijo, hein. Nos deux renommées en profiteront. Des plans et des matériaux sont nécessaires pour fabriquer des armes, des équipements et des outils. Fabriquer de nouveaux objets. Alors. Il faut une pioche. Bon, allez hop, une pioche, c'est fait. Fabriquer. Une scie. Une scie, fabriquer. Bon. Une faucille. Une faucille. Fabriquer. Bon. Voilà. À santé. Acquérir l'acacia. Consultez votre carte. Comment ça, obtenir de l'acacia? Ah, faut chercher dans la mer où aller. Il y en a à gauche. À gauche, là. Où tu à gauche, ça, là. Et... Ah, c'est le bois. Ouais. Mais moi je le vois pas ton bois. Mais si, des zooms. Ah ouais, c'est loin. Ah bah mille, à 2000 mètres. 1500. Après y en a un plus près. Où? Non, non. Ah, non, en haut, non. À gauche, à droite. Oui mais non, le problème c'est qu'ils sont... À 500 mètres. Ah ouais. J'espère ouais. Que vous avez un plus gros navire. Mais non, c'est loin. Je ne tiens pas à vous ressortir. Prendre la mer. Mais parce que regarde, il faut qu'on tourne donc. Ah, c'est quoi votre chiffre en bas à gauche là? T'as crocodile du Nil. 10 300 quelque chose. Ah oui, il y en a un peu partout ouais, en vrai. Moi je suis à 1500. Genre, à ouais, j'avoue, bah, la même. Il est où le bateau? Ah, tu te démerdes. Le Top McNuggets. McNuggets? Wesh le snow. Salut. Je suis perdu. Ah, il est là le tchou. Allez. Yeah, hey, ha. Na, 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 hey, hey, ha. Bon, à skip, il y a du bois ici. Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Ça fonctionne pas. Dégueu. Ils ont pas de texture les arbres. Oh, vous êtes sûr que vous voulez rester un moment sur ce... Ah. Vous avez des couilles, hein. Non, mais c'est le point le bon. Bah non. Ah, il faut aller... Ah, il est là, je crois. Non. Ah, même pas. Et où le bois, là? Faut rester sur l'eau, mais faut être juste à côté de l'île pour s'y... Mais frérot, j'ai tellement longé l'île que ça m'a fait une collision. Attends, comment on fait pour aller là-bas? Je vais y retourner. J'ai tellement touché l'île, frérot, j'ai mangé le mur invisible. Faut arrêter. Alors voilà, vas-y, on va retourner bien devant les arbres. Pour moi, c'est ça, là, c'est les trois arbres. Bah oui, bah là, normalement, où t'es... Ça se voit qu'ils sont hors du jeu, donc c'est qu'on doit pouvoir les prendre, mais... Non, pas les arbres. Regarde, frère. Regarde. À quel moment il y a écrit scier, wesh? Ouais, je suce le rebord, là. Ouh, il y a écrit scier, ta grosse daronne. Ouh. Oh. Casser les couilles, là. Voilà. Tu la merdes, ton jeu, là. Putain, je suis rentré dedans. Faut donner à qui, l'acacia, déjà? Putain, en plus, il n'y en a pas avant un moment, là. Voilà, faut que j'aille tout là-haut. Allez. Là, il y a quelques morceaux, là. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'en ai vraiment... Acacia, voilà. Bah, en fait, tu les trouves comme ça. Ah oui, c'est comme Black Flag. Non, et tu peux aussi faire ça. Tu vois. Merde, ça l'a pris au moins. Je l'ai même pas pris. Il est con. Ah, c'est bon, là, c'est de l'acacia, là. Voilà, là, je suis devant un bout de bois, là. Ça m'a dit que c'était de l'acacia, là. Donc, comment ça marche? C'est de l'acacia, là. Oh, ça... Ah, du coup, je peux fabriquer... Là, je suis devant le bout de bois, là. Tous les troncs sont coupés. Oh, là, là. Oh, là, 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 là. Mais pourquoi ils sont coupés, frérot? Ah, là, il y en a, là. Il n'y a pas de map sur ce jeu. Voilà, c'est bon les gars, j'ai mon premier navire. Oh là 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 là. Rassurez-moi, c'est de l'acacia, ça. Noix de coco. Ah. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles des noix de coco. Ils respectent les noix de coco, là. Les histoires du jeu, il n'y a pas de map. Ah si, tu fais select, t'es con, quoi, toi. Moi, marche pas. Oh, mais t'as que deux acacia. Ah, moi, j'ai que deux acacia. Frérot, je les ramasse en fait, je peux pas les couper. Oh, moi j'ai déjà mon navire. Tu vas me dire tous les acacias du jeu ils sont coupés là. Bah parce qu'en fait vu que c'est des serveurs qui sont partagés en fait, ouais. Bah c'est con. Ça devrait respawn. Ouais mais en fait si ça respawn mais genre toutes les heures comme ça tu vois. Noix de coco. Ah tout. Ouais c'est vrai qu'on on est niqué là c'est à dire. Ah ouais, ouais, ça veut dire que t'arrives sur un serveur, tous les gens ont coupé les acacias, t'es baisé. Bah ouais, moi j'en ai plein. Regarde, acacias ils sont coupés. Oui. Wesh. Ah oh, mais c'est n'importe gros, quoi. Toi t'es en retard, hein. J'ai déjà coulé mon premier navire moi. Non mais c'est une dinguerie. Ah je à la vie que si je vais là-haut et qu'il n'y a pas d'acacia. Non, on peut pas. De quoi? Je suis allé, hein, il me disait de retourner en arrière parce que mon navire n'est pas si puissant. Sinon il va couler. Ah bon? Ah! Mais t'es con toi, hein. Tourne en même temps que moi celui-là. Non mais c'est grave. Mais c'est grave. J'ai fait tous les acacias du jeu. J'ai fait lui. Oh, on peut plus jouer en fait là. Y'a plus d'acacia, c'est fini. Et là-bas on peut pas. C'est non, fini. Non, là c'est trop là. Fin de la démo. Non mais c'est trop. Mais ça veut dire quoi là? Ça veut dire que je redémarre le serveur? Non, tu peux rien faire, c'est fini. Je refais un nouveau serveur? Ouais, mais si tu fais un nouveau serveur, il faut espérer que dans le nouveau serveur, les gens qui sont dessus n'ont pas fait l'acacia, tu vois. Attends, si ça passe là, on est bon. Let's go, ça va passer, les gars. Ouais. Ouais! Voilà! Ah, les armes sont activées, votre navire n'est plus protégé. Wow. C'est quoi ça là? T'as crevé, Joe. Ah, y'a des crocodiles! Bah oui, je t'ai dit.
Il y a les crocodiles du Nil. J'ai dit où tu vas aller, t'es mort. Mais vise ! Oui ! Il y en a un voir qui a été coulé tout seul, j'ai pu récupérer son butin. Magnifique. Son butin ? Son butin ? Bon ça. Allez, ça y est. Meilleur jeu, je kiffe. Comment il fait le gars alors que c'est de la daube ? Non, en vrai, j'ai installé avec Ubisoft plus, tu vois. Mais toi, t'es bizarre. Acacia, c'est bon, là, il y a les acacias, je les ai trouvés, c'est bon, let's go. Ah, magnifique. Oh, il y en a plein là-bas, oui, c'est bon. Oh là là. Ah, après, moi, 20, gars, après 20 minutes, et eh ben voilà, récoltez l'acacia. Voilà. Et fais bien le QTA avec plus que tu, si tu restes dans le verre tout le temps, t'as plus de bois. Mais moi, j'ai pas fait ça, hein. Moi, j'ai pas eu besoin de faire ça, c'est bizarre. Mais toi, t'as triché. Oh là là. Non, en fait, tu peux les ramasser dans l'eau, mais en fait, le tuto il te montre comment le faire sans faire ça, tu vois. Eh, mais. Je m'en fous, moi il y en avait un. Catastrophique. Je vais dire non, non. Eh, je peux tuer les vaches. Là, il y a des vaches. Bah, vas-y, c'est même pas du CSGO. Ah non, non. Tu vois, faut être patient, ouais, ouais. Par contre, j'ai vu, t'as écrit, c'est une bêta pour le moment. C'est pas une bêta, hein, c'est le jeu entier. Hein. Frérot, le jeu il sort la semaine prochaine. Comment tu peux dire c'est une bêta? Surtout que la sauvegarde est transférable sur le jeu final. Ce n'est possible que... C'est comme FF, hein. Ce n'est possible que si c'est la même build. Donc c'est le jeu final. À la grande limite, comme The Crew Motorfest aura un pixel en plus dans le jeu complet. Je te jure. Putain, faut vraiment être naïf pour dire que c'est pas le jeu final, quoi. C'est vraiment... Parce que je sais que The Motorfest était quand même plus beau à la sortie officielle de la bêta. Ouais. Il y avait quelques pixels en plus, tu vois, en fait. Sur la bêta, en fait, ils testent les serveurs, tu vois, sur la bêta, donc en fait, ils mettent pas tout sur. En fait, ça sera pas une transfiguration, tu vois. Mais genre, les textures apparaissent plus vite normalement. Dans The Crew, ça avait fait ça pareil. Ah, ça me fume là, les gens qui disent ouais c'est qu'une bêta alors que ça sort dans une semaine, ou les gens day one le jeu il est sorti, hein, il y a plein de bugs et tout, il fait mais c'est normal, il n'y a pas eu la mise à jour. Et frérot, le jeu il est sorti, je l'ai payé en magasin 80€, c'est pas normal qu'il ait bugué. Alors arrête de dire c'est normal, il n'y a pas la mise à jour. En plus, on aura plus de missions intéressantes. Normalement, t'es censé mettre une mission intéressante dans la bêta web. Ah oui. Les gens ont envie de l'acheter. Ah oui, là, ça donne tout sauf envie. Hein. Jusqu'à, j'ai tellement pillé les acacias. Il fait nuit, frère, bientôt là. Le soleil, il se couche. Voilà, je peux pas avancer. Il faut que j'attende toujours. J'arrive, je suis juste à côté en plus. En vrai, du coup, je suis en train de me dire depuis le début, bah les arbres étaient à côté, quoi. Parce que les gens ont tous été à ceux qui étaient en face. On pensait que les gens auraient choisi la facilité, mais non, ils ont été le plus loin. Débarqué, pardon. Sainte-Anne. Oh, oh putain, bon, c'est le meilleur jeu. Ouais. Ouais, rigolez bien de moi, hein, j'avoue. Vous avez complètement raison. Attends, merde, c'est où? Ramadan. Ouais, c'est là-bas. Ramadan, c'est tout. T'es où? Je m'en fous, là. Je vais en finir avec cette mission, je m'en fous. Arrive, regarde, même va danser. Comment tu danses? Moi je danse pas, moi. Bonjour. Tiens, t'es merde là, ton acacia de mes deux là. Des œufs de crocodile cherchent les ennuis. Je craignais de ne pas vous voir revenir. Comme j'en les vois rien, moi. Chercher du bois dans des eaux infestées. Allez, donne-moi mon navire. Continuez comme ça, camarade. Et la fortune viendra. Celui de par le contrat. Je suis un vaurien. La possession de votre navire. Ouais. Et le pire, ce sont les gens qui m'ont payé le jeu 130 balles pour y jouer 3 jours en avance. De ouf. Hein? Fabriquez votre premier navire. Allez, hop. Ouais, ça, c'est 130 balles pour y jouer 3 jours en avance. Et comment tu fais pour dépenser 130 balles là-dedans? Si vous avez de l'argent, je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchand. Avec les bons matériaux, vous pourrez construire un navire. À quelques mots, ça fait 1. Je rajoute un L et ça part en couille, ce jeu. Fabriqué. J'arrive pas à aborder un truc. Bah, jouez pas, c'est quoi le problème? Mais.
Bah t'inquiète pas, on va pas y jouer. Et ton jeu il va bider. Y'a quelqu'un qui défend ce jeu là dans le chat? Ouais ouais. Il y en a deux. Ils sont deux. Un scatophile. C'est pas que de la scatophilie là. Je sais pas, les gens ils trouvent quoi à ce jeu? Changer de navire, déplacer la cargaison dans le nouveau navire, ouais. Oh, regardez-moi ça. Starfield ou Skull Lemons du coup, Joe? Et une côte regorgeant de richesses. Starfield ou Skull Lemons du coup? Les deux, ils puent la merde. Mais il y en a un qui moins la merde. Vous comptiez frapper les navires de la compagnie. J'ai pas encore assez joué à Skull Lemons pour te. Vous fabriquera des canons. Oh, mais fais pas genre non plus. Ok. Ok, ok. Forgeron. Hakim le forgeron? En temps normal, je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous. Et encore moins des roupies de Sansonnet. Mais j'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire. Je paierai ce qu'il faut. Vous avez l'air d'avoir de l'appétit. C'est bon, j'ai fini la quête. Méfiez-vous déjà pas de la compagnie. Elle peut vous éventrer de la proue à la peau. Ça fait depuis que j'enchaîne les quêtes. Le naufrage de l'Exeter nous a laissé sans réserve. La compagnie le sait et tire profit de la situation. Apportez-moi ce qu'il faut et je vous fabriquerai de quoi embrocher ces grenouilles. Non, en vrai, il a fait quoi, putain, 30 heures? Il a... Il a cherché la cassia. Pour l'instant, ce n'est pas votre cas. Il vous faut du matériel. Ah bah oui, vu qu'il n'y a pas limite de temps, si tu veux, je peux explorer, tu vois. Allez, bah ça pue la au travail. Armes et canons. Fabriquer de nouveaux objets. Oh putain, les écrans noirs. Oh là, c'est épique. C'est épique. Et voilà. Non, tu vois, il te faut une musique de ouf. Ah, faut en faire 3. Ouais, ouais. On peut en sélectionner plusieurs d'un coup. Non. Non. Donc ça veut dire que je vais me taper la cinématique 3 fois là. Non. Eh bah je l'ai fait 4. Ah bah les couilles, allez hop. Bah non, ça sert à rien 4. Vous pouvez en mettre que 3 fois. Ah non, c'est bon. Ça refait pas la cinématique. C'est pas grave. Il faut fabriquer les boulets de canon. Ouais, ça faut faire 2 fois. Et c'est où les boulets? Tout à droite. Ah ouais, tout à droite. Ouais. Bristol me manque. Il faut en faire 2 fois. Ah ouais, 120. Ces beaux canons sont capables de percer toutes les coques de la compagnie. Bon, là, si j'ai pas mon navire, je me la coupe. Hein. Oui, oui, c'est bon, t'auras ton navire. Contrat disponible, premier sang. Couler les navires de récolte, allez, vas-y. Bon, les ponts sont frottés, les canons nettoyés, un petit navire. On peut l'équiper, tu. Alors, il est temps de vous attaquer au navire de la compagnie. Ces arrogants faquins croient que mon fer leur appartient. Mettez-les en pièces. Équipez votre navire à quai. Gérer le navire. Il a raison, on peut mettre. Embarquer. S'équiper, vous pouvez accéder au menu du navire. Merde. Ah ouais, gérer le navire. Ouais. Armes. Donc là, je mets les canons. Bim. C'est bien, mon seuil. Voilà. Mobilier. On peut mettre un peu de mobilier. Protection. J'en ai pas. Il a dit. Déco. En fait, je comprends pas pourquoi vous faites les haters comme ça. Bah, regarde l'état du jeu. Bah, ouais. On aurait bien aimé nous kiffer. Bah, ouais. Modifier le nom. Tiens, comment je vais appeler mon navire? On va l'appeler La Tristesse. Voilà. Fais gaffe, il y a que 15 caractères. Est-ce que le bananier... Ça rentre, c'est bon. Oui, le bananier. La Tristesse. Embarquez sur La Tristesse. C'est bon, j'ai réussi ma mission. Provisions pour le combat. Assurez-vous d'avoir suffisamment de munitions, nourriture. Ok, gérer la cargaison. Ah, il chante, enfin. Bah oui. Comment ça transférer vers entre... Ah non, là c'est bon là. Non mais ta gueule. Bah ouais, ta gueule.
Prendre la mer. Ah mais c'est la musique du trailer de l'E3. Messieurs, bienvenue à bord de la tristesse. C'est la meilleure musique du jeu. J'ai choisi ce nom car il est à l'image du jeu. Écoute la musique du jeu, magnifique. C'est parti. Écoute pas de jeu, ça va te faire mal à la tête. Si, elle est trop bien cette musique. Let's go. Alors. C'est à gauche, chef. C'est à gauche. Ah ouais, merde. Ah, 2000 mètres. Wow. À qui le forgeron? Oh oh! Ah, c'est toi la musique au Game Over ça? Mais il a dit que. Ah merde! Ok, à Ubisoft Forward. Ouais, voilà, Ubisoft Forward. Ah ok, je suis qui de la zone, y'a plus de musique. Ok! Yo ah, ouais, c'est. C'est genre. Ah, utilisez la longue vue. C'est lui. Feu à volonté. Doucement, calmez-vous. Ah, mais on a le même navire. Bah oui. Bah tout le monde a le même. Abordage. Ah bah non. T'es con. Merde. Mais il fallait le couler, frérot. Ah non, moi je voulais l'aborder. Mais il y a marqué couler ta mère. Ah ouais, couler, ouais, la rage. On peut pas l'avoir. Faut en trouver un autre. Lui là, en face. Fumez-le. Oh yes. Oh, ça vise bien ici là. Oh, je peux me mettre en indien. Abordage! Abordage! Oh, c'est raté. Oh, vas-y, laisse tomber. On va pas se faire chier, il y avait écrit couler, t'as raison. Informez le forgeron de votre succès. Ah, bah en fait, le jeu, c'est que tu vas tuer un navire, tu retournes voir le forgeron, tu retournes tuer des navires, tu retournes voir machin. Ouais, ouais. Putain, c'est relou là. Bah, moi, j'ai abandonné, hein. J'ai abandonné de tout. À l'abordage! Ça veut pas. Merde. Ça veut pas. Ah si, abordage! C'est raté. C'est raté l'abordage. Coulez-le, ça ira plus vite. Voilà. Attends, attends, je vais retenter. Le tue pas. On va retenter un abordage. Attention. Abordage! Ouais, c'est bon, non? Abordage! Voilà, c'est fini. La tristesse. Tout prendre. Merci messieurs. Au revoir. Voilà les abordages dans ce jeu. C'est formidable. En fait, ils auraient dû faire une intro avec un navire ultra puissant contre un Manowar. Pour te montrer le gameplay que tu peux avoir un jour. Plus parce tard. Que j'ai vu que tu peux attaquer des forteresses et tout. Donc tu vois, en vrai. Ah ouais. Ouais, tu sais que comme dans Black Flag, quand tu attaquais les forteresses avec les canons qui étaient déjà dessus. Bah, je sais pas si tu t'en souviens. Non. Si. Ouais, ouais, si. Ou dans Rogue pour les capturer, ouais, les c'est forteresses. Plutôt dans Rogue, ouais. Et en fait, c'est pareil. Donc en fait, tu vois, je sais pas ce qu'il y a un truc à faire, tu vois, mais c'est long. Ah, là, ils auraient dû montrer ça plus tôt en fait. Bon allez, informez le forgeron de votre succès. Ouais voilà, c'est monsieur le forgeron, j'ai gagné. Allez, redonne-moi une mission que je reparte en mer. De votre victoire ne cesse de s'embellir. Bah ouais. Vous avez fait forte impression sur les pirates de Saint-Anne. Ils aimeraient faire affaire avec vous. Non mais j'ai fait, moi je suis en avance. Ouais bah c'est pas parce que toi t'es en avance qu'on doit s'arrêter comme toi. Ah, moi je vous dis, vous allez souffrir, hein. Bah écoute, on verra. Vous allez retourner à Sens à 2000 km. Eh bah on verra. On attaquera des bateaux sur le chemin, ça nous fera de l'action. La prochaine mission sera agitée. Beaucoup, hein. Ah, c'est vraiment ça en plus, sur prendre mission. Ouais, ouais. Acquérir rouage. Les navires de guerre de la compagnie Feu à volonté. Oh, magnifique. À l'attaque.
Carguez vous autres. Ouh. Oh. Il fallait peut-être l'aborder, non? Oh, allez, c'est pas grave, il y en a un autre. C'est pas grave. Let's go. Il y a des petits là-bas. Ah mais fais-en toi un autre dans ton coin, enfoiré, là, tu vas me couler. Eh, hey, c'est un mec. Mais viens, on le coule. C'est un joueur. Wow, une baleine. Je crois qu'on peut. Ah, vas-y, on tente. Vas-y. Attends, fais voir, on peut le scan. Ah ouais. Ouais, il a... Eh, hey, il a des rouages et tout. Ah, vas-y, viens. Niquez-lui sa race. Ça marche pas. Si. Ça marche pas. Si. Attends, fais voir, j'ai pas vu sa vie défiler, là. Non, ça marche pas. Non, on peut pas. Oh, c'est de la merde. Comment on peut lui piquer son bateau? Comment ça, on peut lui piquer? Mais vas-y, on le coule, on prend son truc à sa place. À l'abordage. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je vais voler son bateau. Wouhou. Abordage de merde. Hein. Ah. Prendre. Merci. Voilà, merci l'ami. Attention. De la volonté. Et B. Ouh. De quoi? Derrière, on se fait attaquer. Ah ouais, c'est dommage ça. Attends. Il y en a encore un là. J'ai de la zone. On me dit que le PVP, il y a un événement particulier, il a été désactivé car les gens voulaient le PVE à la bêta. Ah bah c'est dommage. Ça aurait permis de tester les capacités du jeu. Ce qu'il nous propose. Voilà, acquérir la couleuvrine, par contre je sais pas du tout comment on en a une. Hein. Ouais, je sais pas. Tant pis. On ne fera pas l'objectif secondaire. Est-ce qu'il y a les voyages rapides? Non. Pas du tout, mais si. Ah non, amarrez-vous pour débloquer, pour effectuer un voyage rapide. Ah, d'accord, ouais, super en fait. Pour aller où je veux. Miss Jedi. Ah bah par contre, j'avoue, il y aurait le PVE. Il y a de la fibre là-bas. Là, j'aurais fumé tout le monde. La petite Miss Jedi là, hein. Bam. Ah non, ça marche pas. Dommage. Dommage. Je t'aurais fait fumer, arrête, frérot. Il ne va rien nous rester. On va chanter. Ouais, chanter là, j'avoue. On se fait chier là. Non, là je suis arrivé à un truc. Est-ce qu'il y a un chant de Black Flag? C'est moi que j'ai vu. Mais non. Merci. Tu dois confondre. Mais non. Tu te rappelles même pas des chants de Black Flag. Ah! Joking, c'est le. Doui-dou. Joking, c'est là. Mais elle est dans Black Flag, celle-là. Bah oui. Ouais, hey, ha. Ouais, ha. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est bon. 20 sur 20 au jeu. Bon, il faut peut-être que je débarque quand même, parce que là, j'ai loupé. Mais non, il y a des chants de Black Flag. Eh ben... Votre renommée augmente. Il a un vrai bateau, lui. Alors, monsieur le forgeron. Hakim le forgeron. Bah c'est bon, tu vas pas faire la vanne à chaque fois. S'il vous faut quelque chose en métal... Entra disponible, tiens, donnez rouage. Je croyais que vous auriez peur, que vous abandonneriez. Mais vous m'avez donné tort. Vous avez massacré les navires de guerre de la compagnie et éventré leur cale. À la manière d'un vrai pirate. Or, vous avez des armes sont activées, votre navire n'est plus protégé. Eh ben c'est bon, j'ai tout fait. N'allez pas vous noyer dans une flaque de boue. Moi je suis en train de faire une quête, frérot, il y a trois objectifs. Ils disent parler au forgeron. C'est bon, je lui parle. Mais il avait plus rien à me dire là. Il faut que je lui parle. Ah, toi ? Ouais. Ah, oui, c'est vrai, il y a écrit en dessous. Ouais.
Ah, c'est bon. Après, vous voulez qu'on essaye pour voir si on peut les trois ou pas? Ouais, ouais, pourquoi pas, vas-y. Merci. Voilà, là, on a tous les trucs. Voilà, prêt à tuer. Revêtez un nouvel habit et marquez l'essor de votre statut au sein de la communauté. Et après, vous avez une grosse quête, il y a trois objectifs. Gagnez en infamie et acquis le respect des autres pirates. Mais vous ne ressemblez à rien. Allez voir Florentine. C'est vrai que je ressemble à rien. Elle vous donnera belle apparence. Capitaine! Achetez décoration du capitaine. Allez. Eh, cache d'armes. Bonjour ma petite dame. Vous venez refaire votre garde-robe, mon cœur. On voit au premier coup d'œil que vous sortez de l'ordinaire. Venez, Florentine d'Alesso mettra en valeur votre prometteuse renommée de pirate. Parlez à l'atelier de décoration de n'importe quel repère pour personnaliser le capitaine. Ok, ok. Acheter et s'équiper d'objets. Je vais enfin ressembler à quelque chose. Moi, ouais, j'étais un truc de Oncle Shimura. Oncle Shimura. L'eau de brigand des Indes orientales. Ouais, tu peux être indien dans le jeu. Ah ouais, indien carrément. Ouais, tu peux être Paddy Pond. J'étais à la tenue de Kratos, mais de Wish. T'as vu, t'as la petite hache et tout. Nique sa mère. Je n'étais encore qu'une enfant lorsque je suis partie de chez moi, tant je voulais voir le monde. Moi, je suis sûr que si t'achètes la deluxe du jeu, t'as une tenue en or. Captain en or. Bah, ça doit être nul. Oh, Zoro! Voilà, t'as genre celle-là, quoi. Barbe noire. Oh, je suis sur une île, elle est grave stylée. Achetable au marché noir de la timonerie. Ah, celle-là, elle est bien. En vrai, celle-là. Allez, hop. Ça mais fait... non, tu peux pas. C'est ce genre de tenue, tu peux pas. Bah, si. Bah, non, mais le set complet, il va coûter trop cher. Bah, vas-y, attends, cet on va voir. Vous vas-y, tu vas voir. Pas béguille. J'ai juré que je vais me l'acheter en entier. On peut pas revendre. Ah tu vas te l'acheter en entier hein. Bon il manque juste les choses et on était bon. Ah ouais en entier hein. Bon après les gants et tout je m'en balais. Putain j'ai en pas de chaussures. Je suis un pirate BG du haut. Non moi j'ai mis des claquettes. Ah des petites claquettes attends fais voir. Ouais. Ah bah oui je peux m'acheter des petites chaussures en vrai. Bah ouais, non mais achète-toi des petites claquettes, c'est stylé. J'ai mis des petites claquettes chaussettes là. Ouais, des petites claquettes comme ça, bim. Y'a pas des Air Force. Les mecs. On était où? Des petites Air Force. Je me fais baiser, tout le monde m'attaque. Vas-y, je vais mettre ça, allez hop. Ouais. C'est le pirate mais détente. Détente, il est à la cool. Ah. Genre il est en petite sandale avec la veste ouverte. C'est le pirate DSK. Oh, quoi? Ah ouais. T'es où toi? Ah c'est toi là? C'est toi. Ouais t'as une carte dans le dos toi. Ouais. Elle est dégueulasse ta tenue. Allez let's go. Bah ça va quand même d'avoir une petite tenue comme ça dès le début. Qu'est-ce que ça va être à la fin? Il est beau le jeu. Qui a dit ça? Il est beau le jeu. Ah ouais, fabriquer ils ont de la merde dans les yeux, ma parole. Mais vous avez Allez, visité l'atelier, bon. Mais la tenue ne fait pas tout pour un pirate. Augmentez votre infamie pour vous hisser au-dessus des autres. Oui. Vous aurez accès à des missions plus risquées et rapportant davantage. Si certaines sont trop difficiles, je vous forgerai de quoi en triompher. Continuez comme ça et même les kingpins comme Skurlock vous remarqueront. Tuez les ennemis. Ah, c'était de l'ironie, ah, ok. On sait jamais, tout à l'heure, il y a un mec qui était bandé sur le jeu, hein, dans le chat. T'as validé la quête, là? Oui, il faut pas aller à Starlord. Starlord, non, c'est John Skurlock, hein, apprends à lire, enculé. En traquant un plan que vous possédez, vous pouvez facilement afficher les matériaux requis. Oh, ouais, c'est bien. Oh, tu vois, il y a une petite ambiance, tu vois, dans le hub, là. Ouais. Ben, ça manque quand même de bruit, tu vois, de... Wow. Et toi, t'as reculé la vista. Ah, matelot. Oh, attends, c'est quoi ça? Ah, la bière. Sorel est l'un des plus grands... Ah, c'est bon. Soudoyer.
Comment ça, soudoyer? La compagnie réclame sa tête. Un soudoyer? Un soudoyer de quoi? Il paraît qu'un écrivain se cache. Nouvelle investigation, le trésor perdu de Freeman. De Morgan Freeman? Ouais, Morgan Freeman. Ouais, il a même posé une affiche. Une énorme prime est offerte par la compagnie pour un auteur français de livres pour enfants. L'affiche de la prime dans la taverne donnera plus d'informations. Dans la taverne? Mais frérot, accéder au menu investigation. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Le capitaine pirate Freeman a réussi l'impossible en dérobant le... Oh, ils sont fous, les Français, dans le jeu. Le fesque, le quelque chose. Un navire de la SMB. Lui et son trésor ont disparu sans laisser de traces. Je dois retrouver ce Freeman et son précieux... Non, mais c'est marrant, ça. Ça, c'est des un peu comme dans Sea of Thieves, là. T'as des mini-indices et tu dois te démerder. Ah, c'est quoi, ça? Tableau des primes. Faut trouver des mecs. La championne des Pharas, qui s'arrête de traquer Tangena Rabé et récupérer la prime. Oh, vas-y, je prends toutes les primes, frérot. Y'en a d'autres? Mais t'as fait aucune, ça sert à quoi? Bah, pour tester, je peux les faire, là. Et là, tableau des travaux, c'est quoi, ça? Livrer des pistolets ornementés à la réserve. Je prends, en fait, prends tout. Je suis en train de se chauffer les mains ou quoi? Ici, négociant en matière première. J'en ai assez appris sur vous pour vous savoir capable de transporter des marchandises. C'est vrai que j'ai pas trop checké. Voulez-vous travailler pour Tatamo? Mes relations et votre navire nous rapporteraient plus de pièces que de poissons dans la mer. De l'argent, des profits, j'en suis. Vous êtes aussi avide qu'un requin qui a flairé du sang. Je crois que nous allons bien nous entendre. Acceptez mon conseil. Achetez-moi des marchandises et revendez-les ailleurs en faisant un bénéfice. Dès lors que vous me versez une commission, tout va bien. Laissez-moi m'occuper des informations et des contacts. Ok, offre et demande. Voler des marchandises pour répondre aux besoins commerciaux. Suivez mes conseils. Je prends. Vas-y, arrête de me parler là, c'est bon. Carte mise à jour, route commerciale, ok. D'autres quêtes. Revoyons-nous lorsque vous... Prends tout. Vous avez des quêtes? Non? Qui a des quêtes ici, là, Moussaillon? Là-haut. Y'a quoi de beau ici? Y'a une taverne. Ça, c'est pas un contrat, ça? Wanted, prendre le feuillet. Tiens, le feuillet? Prime pour Jacques Sorel. Mais si, j'ai encore eu un truc, hein. T'es malade, dinguerie. Et la cuisine, là, ça fait quoi, la cuisine? Ça donne des bœufs, je parie. Des feux de camp, des ustensiles pour servir à cuisiner, consommer de la nourriture, améliore immédiatement l'endurance de l'équipage. Par exemple, ça augmente l'endurance de 40%. Il faut des noix de coco. J'en ai 16. Bim, on cuisine. Cuisiner. Ingrédients manquants. Ah ouais, c'était des bœufs, voilà. Ça augmente l'endurance. Et ça se mange directement? Bonne journée, pirate. J'ai pas compris. Bon, alors là, il y a énormément de quêtes. Ouais, il y a ça là aussi, c'est quoi ça? Soudoyer. Indice d'investigation. Chasse à la couronne. Affiché sur la carte. Chasse à la couronne. Ah ouais, là, j'ai plein de trucs là. Des cartes au trésor. Des cibles. Eh ben, ici c'est quoi? Oui, il a l'air complet, le jeu. Chasser des animaux, ça c'est... les bleus c'est les quêtes secondaires. Éliminer les requins. Ah, c'est la même quête en fait, mais ça me donne les zones, ok. Et naviguer jusqu'à l'emplacement supposé du Royal Louis. Là j'ai plein de quêtes à faire sur la map. Ah là, il y a de l'amélioration. En vrai, il y a de l'amélioration. Et si tu veux, tout en bas, il y a un boss. Moi, je suis chaud de le faire. De le tester, oui. Malade. Ah, c'est un niveau 5, hein. On est niveau combien, nous? 3. Déjà, on a galéré contre le français, là. Bon, est-ce que ce serait pas lui, là-bas, là? J'ai bien l'impression que c'est lui, messieurs, dames. Ils ont remarqué notre position, capitaine. Est-ce que ce serait pas lui? Navire en vue! Ah, mais si c'est lui, par contre, attends, faut voir. Ah, je suis encore trop loin. Voilà, je suis plus loin, là, c'est bon. Voilà, attention. C'est ça, Cap...
Niveau 4, le navire du clan de Pharah. À l'attaque! C'est ça, Thomas, niveau 4. Ok, je lui ai rien enlevé. Hein. Je suis mort! Je suis foutu! Qu'est-ce qu'il m'a pris? Oh là là, prend aucun dégât! Oh là là, je suis mort! Aïe aïe aïe! Ah là, ça enlève que dalle! Viens m'aider! Oh là là, les boulets de canon! Oh là 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 là! Mais oh, frère, c'est mort! Oh là là! C'est foutu! J'ai rigolé! Oh putain, en plus, il veut me rentrer dedans! Je rigolais! Oh! Non, mais c'est impossible! Ah, si on arrive déjà à la midlife, ce serait un miracle de Noël! Wouhou! Ah, voilà, on fait quelques dégâts! Putain, ce gorille, si t'étais avec nous là, on aurait peut-être une chance au moins! Attention! Allez, le snow! Wow. Ah, ah, le navire, il est gigantesque! Après, elle est assez pacifiste, hein, nous a jamais. Oh là là, on va tuer. Oh là, oh là, oh, t'es mort? Il s'est fait désintégrer, le type. Attends, il faut que je ramène d'autres navires là. Oh, vous là-bas! Oh, et ouais, niveau 10! Voilà, tiens, allez hop, j'ai engagé. Allez, venez me chercher! Ah là, le niveau 10 là. Allez, là, s'il se ramène et il vient avec moi taper l'autre, là, c'est parfait là. Il faut que je fasse en sorte qu'elle lui tire des boulets. Y'a moyen de créer un truc, les gars. Oh putain, votre navire est à de restauration. Wesh, ça m'a bloqué sur place. Merde, non pas ça. Merde, je touche à tout. Ah, je suis mort. Oh putain. Oh, elle m'a désintégré. Mais frérot, je me suis perdu dans les touches là. Non. Oh ça! Le voyage est terminé. Eh bien, Moussaillon, on va s'arrêter là pour la découverte du jeu. On en refera peut-être un soir. Ça dépend si j'ai l'abonnement Ubisoft jusqu'à quand en fait. Je crois que je l'ai jusqu'au 18. Mais ouais. Le bilan est mitigé. Ouais, j'ai vu un dauphin là derrière, non? Je vais jouer 18. Je vais jouer. Il sort quand déjà? Le 16. Il sort le 16? Donc tu peux jouer mardi. Mardi, là, ce mardi? Ouais. Avec la premium. Bah écoute, on verra. On reverra si on continue l'aventure. Moussaillon, merci pour tous les follow. N'hésitez pas d'ailleurs à follow la chaîne si vous voulez revoir du Sea of Steve un jour. On était 400. Si du Sea of Steve. Insulte à Sea of Steve. Oh là là. Oh le coup. Si vous voulez voir du Skull and Bones, pardon. Mais pourquoi il y a une putain de brume là, dégueulasse. Voilà. Le plan est dégueulasse, mais bon.